Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Battle Brothers, la souffrance avec les corbeaux noirs. Donc, petit bilan après une journée difficile. là, nous avons un futur mort. Lui il a 70, son casque il est meilleur là. Prends-moi ce casque. Hop. Non, je vais lui donner un vrai casque de merde. J'ai tout cassé de partout, mais ça va. Ouais, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, c'est toujours les vacances, donc c'est toujours assez tranquille. Hein. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme mission? Est-ce que tu connais Battle Brothers? Est-ce que tu connais ce magnifique jeu? Ça, c'est pas la peine de regarder. Sur lequel on souffre et on aime ça. Qu'est-ce qu'il demande? Sur les travailleurs, ramener le talisman. Un talisman pour 520 couronnes. Allez, on est parti. Allons chercher un talisman en or auprès du vilain voleur. T'as que t'as eu des munitions, j'en ai. Est-ce que j'aurais même pas intérêt plutôt que de lui donner une lance, de lui donner un arc? Tant qu'à faire. Encore une découverte pour toi, pourtant c'est un jeu assez formidable. Un jeu où tu gères une compagnie de mercenaires avec du combat qui est sanglant. Yo le Cygne, bienvenue sur le live, bienvenue chez toi. Donc voilà, où tu gères le quotidien d'une bande de mercenaires et tu souffres. Voilà donc. Ils sont tout cachés. Ils ont plein de fléaux. Mes boucliers vont servir à rien. Donc, et ben on va juste payer 34% de chance de toucher, ça fait pas beaucoup. Hop. Raté. Pour cent de chance. Ouais, donc ça c'est mon mendiant. On met un bouclier. Ouais, donc ouais, des combats qui sont très tactiques mais très violents, on va dire. Essayer de les faire venir. Mes deux plus vétérans, c'est lui et je sais plus. Toi, je vais te mettre comme cela. Toi, je vais te dire de ne rien faire. Mon dieu, mais ouais, non, mais c'était juste pour garnir la ligne de front, en fait. Il est très mal placé, lui, en fait. J'aurais dû le placer, là. Hop. Allez. 43% de chance. Ça touche. 17, 7, 27, 6. Où je tire dans le tas. Je vais bien tirer dans le tas aussi.
Bim. Ouh, et joli tir le mendiant. Forcément. Ah merde. Ah, putain, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. On va se blinder. Bim. Bim. Dans les dents. Forcément. Du coup, il y a le deuxième qui arrive. Oh, oh, oh. Eh mon... Attends. Je sais plus lequel des deux est le mendiant, mais... Il gère bien. Mine de rien. Aïe. Aïe. Non, je veux pas qu'il soit sommé. C'est pas une bonne idée. Ça fuit. Là, ça fuit aussi. C'est un run... Ouais, c'est ça, un run alchimiste, tout à fait. Non, il fallait que je fasse un cible. Non, je suis con. Ah, le deuxième, c'est con. Putain, mais t'arrêtes de me l'assommer, oui. Oh, j'arrive même pas à casser son bouclier. Allez. Ouais, c'est une tentative d'alchimiste. Hein. J'ai jamais joué encore. Donc 12% de chance, ça fait pas beaucoup quand même. Et 24% de chance, ça passe. Et il gère. Franchement. Pour dire que ça va. Alors, c'est lequel mon mendiant là? Merci. C'est lequel mon mendiant? C'est celui-là? Non, celui-là c'est mon... Ah non, c'est un bagarreur. Ah non, c'est un bagarreur, pas un mendiant. Bagarreur, ça se met pas avec un arc. C'est con, moi. Ouais, s'il y a un truc à changer dans ce jeu, je pense qu'on est d'accord que c'est le côté graphique. Alors... Tiens. Est-ce que... Attends. Niveau 3... Lui vient de passer niveau 3 aussi. Alors attends, lui je m'étais dit que j'en ferais. Lui il a des stats de merde. C'est un boucher avec des stats de merde. Mais du coup j'en ferais plutôt un quoi? Je l'ai mis en mastodonte pour commencer, donc plutôt un tank. Histoire qu'il survient un peu le plus longtemps, j'aime bien leur prendre fond en acier. Hop. Tant qu'à survivre. T'aimes bien toi? Ouais, je suis pas. Hop. Et t'as quoi? T'as 78 PV. Ouais, au point de ta résolution. Ta résolve.
Toi, de qu'est-ce que je vais faire de toi? Alors, t'as un 57 en maîtrise de mêlée de base. T'as un peu de PV, t'as un peu de fatigue. Je vais plutôt te mettre en DPS. Donc les DPS, je commence par leur donner ça. Ouais, t'as un bon score en fatigue. Tac, tac. Qu'est-ce que je vais lui donner là? Déjà 120 en fatigue, c'est largement suffisant pour un début de partie. Un petit coup d'initiative parce qu'elle a eu un bon tir. Bertwin, alors. Ouais, on tire. Super. Top. De la fatigue et de l'initiative. Et tu vas choper entre les yeux. Ok. Ah, l'ego et les couleurs, ça discute pas, ma bonne dame. Donc toi, on a dit que tu étais bagarreur, donc bagarreur, tu as plutôt intérêt à te mettre une vraie arme et un vrai bouclier. Et tac. T'as 53 pour toucher. Ouais, t'as. Alors, toi, t'as pris un peu cher. Alors, c'est plutôt toi qui seras tank. Donc, je vais te donner. Moins de fatigue avec Shield Wall. Glou glou glou. Et toi, réduire le temps qu'il faut pour soigner les blessures. Ouais. Pour l'instant, je vais éviter parce que quand même le malade pendant 1 à 3 jours. Ah, oui, sur téléphone, c'est possible qu'on n'y voit pas grand-chose. La nuit. Ok, bon. Alors, est-ce que j'ai une ville pas trop loin? C'est un peu isolé. De toute façon, il n'y avait pas d'autre quête. Ouais, j'ai des sous là. Je commence à avoir des sous. Allez, ouf. Ouf, vilain brigand. Alors, sauf que j'ai des armures qui sont pas en très bon état. Ouais, je vais passer. Ouais, lui il est à 47%. On va les éviter pour l'instant. Merde, je me suis fait choper. J'ai pas vu partir. J'ai pas du tout vu pas. 11! Oh putain! Mayday! Deux bandes de brigands! Merde! Je regardais pas l'écran. Oh là là, merde! En embuscade en plus, donc ça peut venir de tous les côtés. Comment je vais gérer ça, moi? Faire la tortue. J'ai combien? J'ai 6 gars. Ouais, sinon, limite, je fous mon archer en haut. On va se tenter ça comme ça. Ça va pas le faire. Ça va pas du tout le faire. Ouais, faudrait fuir, sauf que le problème c'est quand tu te fais prendre en embuscade, t'as du monde qui vient tout autour. J'aurais dû fuir.
J'ai eu les 30 secondes d'inattention qui ne font pas. Transpirewall. Hop. Ah ah, il y a des vilains par là. Je les ai vus. 22%. Hop. Je vais gérer ça quoi. Ah si, lui il va jouer après. Ah merde, du coup, ouais, si. On va me rabattre. Mais pas, mais merde. 1, 2, 3, lui il arrive au contact. Ah, et en plus, lui, il est malade. Bien ça. Ouf. Ouf. Ouais. C'est toi qui disais ça sent la fin de run, c'est ça? Oh putain, en plus il a un piqué quoi. Ouais, mais le problème c'est que la retraite, c'est à 65 ans quoi. J'ai épuisé. Si on arrive à jouer à la retraite, ouais. Non, c'est con ce que je viens de faire. C'est une débile. C'est complètement débile ce que je viens de faire. Ah, dommage. Ça aurait été bien qu'il le tue. Et ça y est. Moins un. Allez. Et merde. Allez. Yes. Ça c'est fait.
Et eux, c'est pas sûr qu'ils y arrivent à la retraite. Tel que c'est parti. Le mec avec sa grosse hache, hein. On voit ? Ah, j'arrive à le toucher là. Oh putain, j'ai déjà plus de. J'ai déjà plus de. Je suis déjà HS en fatigue. Bon, là ça va parce que du coup c'est du 2 contre 1. Toi tu vas récupérer un peu. Tac, tu veux t'arrêter là? Ah merde, il y en a qui arrivent par là. Si elle mon mari. Eh bien. Il gère l'archer. Aïe. Bon, plus de bouclier. Oh, ça c'est très bien. Et ou pas. Du coup, il y a un scénario, c'est du bac à sable complet. Hop, allez, on va les bloquer là. On va essayer de les bloquer là plutôt. Ah merde! La grosse hache qui arrive là. Très bien. Et super. Hop. Moins bien. Allez. Bon, au final, ça m'avantage pas mal là. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma souris qui ne fonctionne plus. Ah, mais il est. Plus de piles, la souris. Ah non, c'est un jeu de recharge. Je la branche. Avec le bon câble. Pourquoi est-ce qu'elle m'a perdu ma souris? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas prévenu? Ça y est. Le coup de la panne. J'ai mis un deuxième carquois. Heureusement. Oh putain. Comment il gère? Bon. On décale. Non, on récupère. Ah putain. Ils arrivent de l'autre côté. Ils sont partout.
seul ratété. Même lui, il commence à être à chef en fatigue. Hop. Non. Merde, j'ai pas de récupération possible. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. C'est tombé. Récupérer son tour. Aïe. Je t'ai vu, toi, t'es caché. Il en reste 3 contre. Putain, la vache. Et je pensais pas que je m'en sortirais, sérieux. 46. Aïe, aïe, oh, j'ai parlé trop vite. Pardon, le gars avec le masque de médecin de la peste, vraiment médecin, non, c'est juste... C'est le background, en fait, du groupe. Je sens que lui, c'est mal barré, quand même. Là, j'y arrive juste pas, là. Il me défonce, celui-ci. C'est dommage parce que c'est quand même mon plus élevé. C'est quand même celui qui a le plus haut niveau. Je préférerais qu'il survive. Le problème, c'est qu'il a, il a plus d'armure, quoi. Parce que si j'essaie de le faire fuir, il va y passer. C'est obligé. C'est l'expérience, donc tu fais des level up, tes compétences progressent au fil de tes niveaux, en fait. Pas le perdre, lui. Bon, de toute façon... Et voilà. C'est fait. C'est fait, bordel. Ah, il se barre. Putain. Salaud. De te rendre compte que t'es fichu. Je sais pas si vous avez le même sentiment. Oh. Qu'est-ce qu'il vient de me faire là? Oh là 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 là! Il m'a défoncé, bordel! Oh là 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 là! Je tape dans le bouclier.
Ouf. Bordel. Ouais, je vais pas aller chasser l'autre. Oh la vache. Bon. Salut Amine. J'ai Akatsuki qui survit. C'est vrai que c'est le seul perso que j'ai renommé en tout début de partie. Ah là 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 là. Avec la compagnie depuis 10 jours. C'était mon vétéran. C'était l'un de mes deux vétérans. Bon, en même temps, j'ai récupéré la blinde d'équipement, quoi. Mais à quel prix? Il y a d'autres brigands. Ouais, non, mais je pense que dans le groupe que je viens de combattre. Ah non, putain, t'as raison, il y en a d'autres derrière, quoi. Barrez-vous! C'est pas le signe noir. Tu peux plus renommer un signe noir. Oui. Il se fait mourir au combat. Mais c'est pas l'objectif. Bien, alors. Ah, je pourrais recruter un milicien. C'est bien, mais j'ai pas les sous pour. Pas ceci, j'ai plein de trucs à revendre. Les moines, c'est pas trop mal. Je vais reprendre un fermier. Hein. Un braconnier aussi. Hop. Est-ce que je me prends un petit moine? Il n'y a pas d'équipement. Moi, tu me donnes de l'équipement, j'en ai. Allez. Prends rien. Bien. Faisons du level up. Toi, tu es mon tank, tu vas être du coup shield expert. Et puis ensuite, tu seras musculeux. Niveau 4 à Akatsuki. Tu vas avoir besoin de plus de points de vie, Coco. Plus de défense, t'as une bonne attaque. T'as fait un jeu de merde en fatigue, c'est dommage. Le plus 3 en attaque de mêlée, je vais le prendre quand même. Avec des baves dans la tronche. Mais oui, on aime les baves. Alors, toi, je t'ai prévu plutôt en DPS. Ton plus 2 est un échec pour le DPS. T'as déjà beaucoup en fatigue. Je vais te mettre un peu de résol. Oh, ce plus 1 là, il est moche. De PV. On va essayer qu'ils prennent moins de dégâts sur la tête. Ouais, Iron Man, forcément. Ouais, c'est. Jouer un jeu comme ça sans Iron Man, c'est presque de la triche. Si tu veux des lance-flammes, Aminou, je te recommande le live du signe de ce soir. Tu vas être servi en lance-flammes. Si le signe fait un live ce soir. Ah, d'accord. Ok, pardon, j'avais pas vu le début de la conversation. Enfin, la conversation quelqu'une plutôt. Tiens, une petite pique. Ça, ceci dit, c'est une bonne prise de guerre. Attends, t'es quoi? T'es le fermier? Non, toi, c'est pas toi que je veux mettre une petite pique de guerre sur qui? Sur le moine. Oh, le fermier avec ses 61. Oh, il va être bien, lui. Oh, la vache! C'est un fermier, ça? 2 étoiles en maîtrise de mêlée, 3 étoiles en point de vie, 2 étoiles en initiative. Lui, il a des sacrément bonnes stats. Alors, et toi
Ça, c'est quoi? Il n'y a pas de bonus pour toucher. 6 plus 10 de chance pour toucher. Alors, ce que je vais faire, c'est que c'est mon moine qui va devenir... Je vais avoir un moine piqué. Qui a des moins bonnes stats. Lui... Faut que je le mette en bon gros DPS. Limite avec une hache de bûcheron, tiens. Une bonne grosse hache qui tâche. Allez, merci d'être passé, Amine. A plus. Tu veux un perso avec une barbe? Est-ce que tu veux Ghostwind qui a pas trop une bonne tête pour l'instant, mais ça ira mieux bien loin. Là, j'ai des armures à 95. Ça, c'est une armure à 100. Ça, c'est mieux. Toi, t'as besoin d'une grosse armure aussi. C'est même toi qui as besoin de meilleure armure. Hop. Tu vas le prendre. Ah, là, c'est une hache. C'est mieux qu'une hachette, une hache. Tu veux bien Ghostwind? Allez, Ghostwind, tu es désormais Mazamara. Bienvenue chez les futurs morts. Mazamara. Voilà. On va essayer de te sauver. Non. T'as vraiment trop des stats pourries. Ah mais non, attends, c'est la blessure. Oh, oh la vache. Ça, il faut que je soigne. Ça a pris tellement cher. Il faut que je te mette en réserve là pour l'instant. Ah. T'as pris tellement cher en stats. Là, les armures, ça va. Toi, il te faut un casque. Un bon casque à 120. Toi, j'ai quand même vraiment envie que tu survives. Ça, c'est pas terrible, mais on fera avec. Hop. Ton armure en est. Même si elle est pétée. Des boucliers. Ok. Bien. Ok. Les soins se font auto, oui, c'est ça. Mais alors là, je vais peut-être accélérer. Oh putain, ça coûte 380 quand même. Ça permet de diminuer de moitié. Oh. Ouais, je vais quand même essayer de le... Attends, je vais voir combien j'ai de sous après avoir fait mes courses. Forgeron d'armure. Ça, je revends. Ça, on a dit que c'était plutôt un peu mieux en fait. Les lances anciennes. C'est plutôt un peu mieux que les lances de chasse. Parce que là, j'ai des bonnes armes aussi, mais. Donc, je vais me garder une lance. Attends. Tuc-tuc-tuc. Donner une arme de contact aux archers, c'est toujours sympa. Toi, tu vas prendre une hachette. On revend. Hop. Tout ça, on revend. Des boucliers, je vais en garder. Un des fois que ça je revends, ça je revends aussi. Allez, ouais, je vais me permettre de soigner mon petit gars là. Il faut, oh putain, ils sont super chers. Je vais m'en prendre un, ça coûte un bras. Allez, je vais soigner Mazamara parce que quand même. Hop.
Moi, il faut que je renomme aussi. Je finis de renommer pour essayer de me dire que je vais les survivre. Le cygne, est-ce que tu veux être un joueur de hache, un joueur de pique, un joueur de lance ou un joueur d'arc? Je sais pas si t'es toujours là. Le piquier, allez, le piquier. Hop, ouais, il a plus de chances de survivre. Le cygne. Hop. Hop. Alors, j'ai plus que 300 thunes, donc de toute façon je vais pas aller bien loin. J'ai un peu de bouffe, j'ai de la bouffe pour 3 jours. Donc on va aller chercher une autre quête. Alors... Ou un deux crânes. Alors, une statue de démoniaque. Ouais. Sécurisé. Alors, une difficulté, une pour 360 couronnes. Allez, je vais accepter ça. Je préfère y aller doucement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Pourquoi j'aime pas ça? J'aime pas ne pas voir mes adversaires. Par contre, oui, je vais manquer de. Je vais manquer de première ligne. Des morts vivants. Ah merde, c'est une forêt. Pas de nécromant. Déjà ça. Ah, bon. Toi, on va attendre. Ah. Oh, putain. Non, mais quel con. Allez. Non mais il faudrait toucher les gens. Ah, c'est bien le signe. Premier coup est allé au but.
Ok. C'est lequel qui m'a l'emprunté? Hop. Boum. Ça, c'est... Ça, c'est de la bonne grosse bastos. Tac. Non. Putain. Allez, faut toucher là. Non, je vais pas faire une attaque en cercle. Bim. Non, pas bon. Pas bon du tout. Oh putain. Quel enfer la fatigue. Allez, 49% de toucher là. Ça doit passer. Aïe. Allez. Il faut te mettre une petite hache pour ces situations-là. Aïe. Bien. Ah non, zut. Je vais tout faire jusqu'à ce que je peux. Les orques des gobelins, c'est assez cosmopolite, on va dire. Hop. Bon, et là, il faut de nouveau que je change d'arme. Aïe. Ça qui est bon avec les... Je sais pas si quand ils sont décapités si s'ils peuvent revenir à la vie ou pas. Et moi non. Qu'est-ce qui est mort? Une fatalité décapitée. D'accord, ils ne reviennent pas. Bon. Pas ouf. Merde. Il n'y a plus de flèches. Oh là là. Mais quel enfer. De toute façon, t'as plus de flèche. Allez, ressort ta petite hache. Ah putain, mais c'est mon perso qui est revenu à la vie. Oh putain. Eh oui, c'est Akatsuki. Là, un petit screen s'impose. Hop. Non. Ah, là, c'est bon. Là, Akatsuki qui revient à la vie... J'y arrive pas.
Non, c'est bon, je l'ai eu. Allez, mais c'est pas possible. J'arrive pas à le toucher, quoi. J'ai 82% de chance de le toucher. 70%. Eh ben, quand même. Bien. Akatsuki, même chose. C'était recruté au début. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne parmi les anciens. Voilà. Les trois personnages de départ sont tous les trois morts. Ah, fait chier. Ouais, le... Tout ça pour une récompense de 360, quoi. Ouais, du coup, ça coûte un peu moins cher, c'est l'avantage. La hache, je la garde. Attendre les soins, tu apprendras. Ouais, non, mais c'est probable. Ouais, j'ai un peu trop rush, c'est ça que tu veux dire? Trois jours de bouffe. Là, j'ai plus de sous. C'est quoi ça? C'est un combat. Je vais pas faire un combat là-dedans. Bon, allez, on va se balader. Bah, ce personnage, je l'ai laissé... Ah non, attends. Mais non, en effet, il m'en reste un de l'équipe de départ. Eh ben non, il ne reste pas de l'équipe de départ. Non, non, lui, je l'avais mis en réserve, quoi. Ouais, 2-6. Contrat de bandit. D'accord. Ok. Je savais pas ça. Enfin si, en fait je le savais. Je le savais, mais je l'ai pas effectivement pas pris en compte. Donc là en gros tu me conseilles de pas recruter, c'est ça? Alors, Bullseyes, ok. Un petit dodge. Pour essayer de s'assurer qu'on se fait pas tirer dessus. Ah, dommage, le plus 2, il est pas beau. Des PV, de la défense à distance. Ouais, d'accord. Ok. Là, bah, je vais attendre. Le problème, c'est que, ouais, en film, je suis un peu short. J'ai de quoi tenir 4 jours. Et en bouffe, 3 jours. Ouais. Ça fait pas lourd quand même. J'ai une armure à 80. Des fois que. Je vais mettre à lui. Non, plutôt à lui. Hop.
on inverse. Là, je manque de première ligne, quoi, c'est criant. Eh ben, on va camper un peu. Allez. Oh putain, il me reste plus que deux munitions aussi. Ça roule. Eh ben, bonne app. Merci pour les conseils. Mais je vais peut-être pas tarder non plus à m'arrêter. Il est quoi, 18h30. Il est possible que je fasse pas durer ce live pendant très longtemps. 110 couronnes d'avance, je vais les prendre. J'ai besoin de racheter des munitions. Ça coûte 153. Allez, je me fais encore un petit combat. Et j'essaierai. Et je m'arrêterai ensuite. Est-ce que c'est le combat de trop ? Quelques pillards brigands. Il y a stream de quoi ce soir? Alors ce soir, c'est... Ah d'accord, c'est des bons... C'est un jeu où ça va shooter de l'alien à tout va. Ah, j'ai une bonne disposition là. C'est un jeu, c'est du tactique... Ouais, c'est très, très, c'est un jeu vraiment tactique dans lequel on défonce de l'alien vilain pas beau. Je vais mettre, c'est qui mon meilleur tank? Azamara. Ouais, c'est... Non, c'est un jeu, donc le signe vous le présentera en live ce soir, donc il est sur la partie un peu solo, et puis on vous fera ensuite sans doute en VOD un let's play en multi. Ah zut, c'est 4. Tenir par là. Et ensuite, je vais le faire rentrer. Ah merde. Ouf, saleté. Il m'a cassé mon bouclier. Il m'a cassé mon bouclier, le saligo. Salut Moïsis. Bah, t'arrives et c'est moi qui vais m'arrêter. C'est bon, c'est le dernier combat, je m'arrête après. Bien, prends-toi ça. Bien, voilà. Ah merde, il vient de parler du coup. Tout.
va se calmer lui avec ses... avec ses pics là. Bim, ça va le calmer. Allez, j'ai de la cuisine à aller faire. Là. Ce soir, c'est tartiflette. Et la tartiflette, elle va pas se faire toute seule, c'est le problème. Ouch. Allez, c'est vrai que... il vaut quand même mieux que je le mette en def. Bim, ça c'est fait. Il est bien ce petit signe. Efficace. Efficace et pas cher. C'est la maf qu'elle préfère. Sur le bouclier. Non. 6% de chance de toucher. J'ai plus d'énergie. Ça veut pas. Bon, on va essayer de lui péter son bouclier. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ah bah oui. Tout de suite, il fait moins de guerre. Ouch. Arrêtez de le taper. C'est un gentil. Tac, le tour d'un cran. Allez, putain. Mais non. Putain, c'est pas possible. Ah, quand même. Il n'a plus d'énergie, oui, bah oui, je sais. Je sais que j'ai plus d'énergie. Lui, il gère. Le signe, il est très 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 efficace. La vache. Pour dire que c'était un moine, il m'a fait 6 tués en 2 batailles. Joli. Alors, avec un casque correct. Hop. Alors, après la bataille aux hommes rassemblent les brigands qui restent, les surveillants supplient pour leur vie. L'un d'eux ressemble plus à un enfant qu'à un homme, mais c'est le plus calme de tous. On est gentil, hein. On est gentil. Vous faites déshabiller les brigands les sous-vêtements qu'ils ont. Et vous laissez partir les hommes. Et Breuhart fouille dans l'équipement laissé derrière eux, tandis que vous regardez un groupe d'hommes à moitié nus s'éloigner. Nous ne sommes pas payés pour les tuer. Hop, alors. Et Breuhart. Toi, tu vas me faire du gros boum boum. Plus 5 PV, je vais prendre. Prendre de la défense aussi. Et tu vas me prendre de la récupération pour quand tu seras un petit peu fatigué. Ce qui risque d'arriver tôt ou tard si tu meurs pas d'ici là. Hop. Alors, lancier. Est-ce que je lui prends au lancier? Je lui prends des grandes poches. Est-ce que le lancier... Ah, tu me diras, il a vraiment des stats de...
Alors, je vais te prendre plutôt Colosse, Mastodonte. Pour être sûr que... Enfin, pour... non, pas pour être sûr. Pour te donner plus de chances de survie. Pourtant, t'as des stats de merde, mais... mais drôlement efficace. Tac. Et tac. Et Espen. Si vous voulez que je renomme certains persos, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai très volontiers. Alors, toi, tu es un archer. Les archers, ça prend tirailleur. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré comme armure? Ah, là, j'ai une 110. Bien, les armures à 110. Et toi, t'es à 105. Toi, t'es à 70. 70, oh, génial. Hop, le signe avec un... hop. Ah oui, j'ai perdu un bouclier aussi. Allez, donne-moi mes sous. Ok. Alors, ça coûte toujours un bras, mais... j'ai pas trop de quoi payer du commerce pour l'instant. Par contre, une fois encore, ouais, je vais quand même prendre ça. H. Morningstar. Tiens, tac. Non. Hop. Ça, je revends ça aussi, ça aussi, ça aussi. L'armure à 95, je vais la réparer. Ça, je revends. Ah. Hop. Et je vais donner aussi un truc du pour soigner le bandage, le pour soigner les saignements occasionnels. Tac. Allez. Ça, ça m'en a chasse. Ok. Venez-en, les fourrures sont en abondance. Ouais. D'ailleurs, il n'y en a pas une seule. Ok. Eh ben, je vais m'arrêter là, messieurs, dames. Et j'en suis bien désolé. Je vais également arrêter l'épisode sur YouTube. On dit au revoir à la VOD. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me donner des conseils, parce que j'en ai bien besoin. Le signe a été très prodigue en conseil, et je vais sans doute essayer d'en suivre quelques-uns, en particulier le fait de me reposer davantage. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, je vous fais des bisous également, et je vous dis au revoir à tous.